Ok, Ouais. ok. Ok, let's go, let's go. Allons-y. Alors, je sais pas si je peux avoir le son du jeu. C'est moi qui peut-être qui dois le mettre. Ah, nice, le son du jeu. Donc, du coup, moi je dis juste un truc avant de commencer. Et écoute-moi, Blizzard. Et pour tous ceux qui étaient là à l'époque, pour Freezegull. Ouais, c'est tout ce que je dirais. Quoi? 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 Ok. Non, regarde pas. Ah, il y a une acclimatation dorée. Doré, déjà directement, ça commence bien évidemment du côté de Lutti. Allez, tu as bonne chance à toi. En tout cas, Lutti, t'es dans mon équipe hein, cette Ouais, c'est ça, fois-ci. c'est On ça. fait équipe, on n'est pas ennemis, n'est-ce T'as pas? déjà Il envie faut de me défoncer tracher les alors que petits ça va choux, rien. sans moi, Fichou, etc. Je les aime pas, hein, je les C'est déteste. le... Donc là, il Exactement. faut les massacrer. C'est bien. On a changé de bouc émissaire du côté du Ouais, grand Loélo. maintenant c'est Fichou hein, mon bouc émissaire maintenant. Ok. C'est nice, elle est très très bonne cette carte au passage. On commente en même temps un petit peu les cartes évidemment pour ceux qui parmi vous veulent Oh, il est tellement des stylé en petits avis. Golden. Très fort le destrier, il a été un petit peu sous-estimé par certains. Je pense que c'est un petit peu, ça donne un effet crash vase un petit peu à certaines créatures. Ouais. Donc il y a des choses à faire, je pense qu'on la verra cette carte là, c'est bien de l'avoir endorée. C'est pas le moment de changer d'autre carte là. Bah c'est ton ouverture Luthier, moi je fais confiance à ton talent, hein, tu me connais. Non, ça c'est des cartes sympas au final, mais c'est Ouais, c'est pas les des nouvelles cartes légendaires. quoi. C'est ça Pourquoi qui. t'as d'autres cartes de base là? C'est pour que les gens ils prennent pour un noob C'est et qu'ils se ça, ouais, rendent compte que t'es vraiment un noob. c'était la technique pauvre, Ok. c'était la troisième technique. Là, on va utiliser la technique j'ai des amis. Parce que ça, il faut le faire quand Ah, tu as héros participé de à la des tournois. taverne. Ok, Exactement. ok, ok. Donc, Je du coup, vois, vu que je ce vois. soir, c'est une Il y a de la soirée stratégie. familiale, ouais, on est là-dessus. Alors, attention. Est-ce qu'on pourrait nous ramener une autre souris? Parce que je crois que c'est la souris que j'ai jetée l'autre jour sur Overwatch. Et c'est vrai qu'il y a des petits moments où elle bug un peu. Voilà. Ouais, donc voilà, si vous réagissez évidemment avec le hashtag GeoUnGoro, tout collé, vos tweets apparaîtront ici. Zéro légendaire pour l'Utiluti, un pronostic tout de suite de Tizo, Le mec évidemment il notre reprend ça comme keeper. si c'était un score de foot et zéro légendaire pour les grands Letty. On va voir si le pronostic est perspicace en J'ai tout eu une cas. épique là, mais j'ai pas eu d'épique dorée encore. J'ai Ok, toujours ça de prix. toujours une rare de plus. Mais il m'en reste 13. 13, ça commence à porter chance normalement. Oh, c'est compliqué hein. Si on est dans la même équipe, putain, fais pas le con. Ouais, j'essaye, j'essaye Fais pas là. le con, merde, putain, je te regarde. Ok. Allez, un petit peu de talent ici. Voilà, une épique dorée Une juste épique, ça ici, c'est elle est cool ça. cachée ici. Et Oh, la on première est! Tout légendaire! Nice! de suite! On va voir beaucoup de légendaires, beaucoup de boosters, j'espère beaucoup de légendaires dans cette soirée. On va tous en ouvrir tous les streamers de Géo 40, 40, 40. Ça fait déjà. On va ouvrir 360 totalement, je peux te dire. Parce Donc qu'on tournez est sur 9. vous-même et On est voilà. 9 et à 40 chacun, Ça me va. plus ceux qui vont en ouvrir un petit peu de leur côté. Moi, j'en Oui, aurai un plus petit les peu en guests plus. potentiellement aussi qui Ouais, les arriveront guests qui qui n'ont vont pas de arriver, carte encore. évidemment. Il y a un guest qui va nous venir de le stream hein, tout droit directement. C'est ça. La C'est team Squeezie. Squeezie. C'est Squeezie. Il y a un guest Il est qui là, va il est caché arriver en de. dessous de la Non, désolé. Ok. Je suis dégradant pour Squeezie. Oh! Ouh, Météor une pique Golden! dorée, c'est l'équivalent d'une légendaire en pousseur, c'est cool. Météor, c'est qu'est-ce C'est qu'elle fait? Météor. Inflige 15 C'est points de dégâts à inflige ça, 15 Luther. points de dégâts et 3 points sur les côtés. Et l'animation, mon 15, c'est gars, pas un peu ça trop, c'est arrive en inutile haut là. à droite de l'écran. Ouais, c'est un peu Ouais, inutile. j'ai C'est vu trop l'animation. stylé. Mais c'est un peu trop 15, non? Bah J'ai oui, mais bon, l'impression. après ça tue les Van Cleef quoi. Ouais, ça tue Evan Cleef. C'est Ouais, ça c'est vrai, c'est l'avantage. vrai. 3, On va voir ce qu'on 2, pourra en faire de cette 1. carte-là. Allez, légendaire doré, attention, non! Ok, C'est le garde du légendaire du bug. soleil, ouh Ah là, d'accord. c'est. Ah, ok. Alors, merci de m'avoir suivi sur le mec de Squeezie. Allo, allo? Non, c'est de la merde. Ah, Tu... Ah, ok, non, merci si. Babel pour ce commentaire utile. De rien. Ah, merci. T'aimes pas la carte du tout? Non, mais il a raison, soit c'est nul. Mais là, le but c'est juste de massacrer nos adversaires en termes de quantité de légendaires. La C'est ça, quantité ouais. avant la La qualité. qualité ne prime pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut être meilleur parfois. Ou que Fichu sera meilleur du coup. Oui, voilà, il faut attaquer Fichu maintenant. Il faut attaquer Fichu. Si vous avez des blagues à faire sur Fichu et sa calvitie, n'hésitez pas évidemment. Bon, on parle, mais est-ce que tu sais que l'hydrologue en chaman Murloc, quand tu la récupères dans le légendaire, et bah tu découvres un secret paladin. Donc, Ah, tu découvres très œil intéressant. pour œil dans le match-up miroir avec des aggros, et Très bah ils intéressant. peuvent s'auto-tuer. C'est très Ok, je sympa. m'étais même Il y pas a posé la noble question, tiens. sacrifice, mais moi non plus je pensais que ça découvrait rien. Tu vois, et en fait ça découvre un secret paladin. Voilà. D'accord. Donc, pour tous les gens qui ont essayé. Ça c'est pas mal. Arme toxique en arène. Yes. C'est Ça pas mal du tout, hein, peut être la évidemment. folie. Ça permet de tuer n'importe quelle créature avec votre dague. Après, faut prendre les dégâts quoi, mais. Ok, une petite épique. C'est pas mal, c'est pas mal. On a un compteur hein, également, on n'a pas précisé ça, mais on a un compteur hein, du côté de la régie. Mathieu, évidemment, qu'on remercie des légendaires et des épiques qui vont être ouverts par chacun et par chaque équipe, globalement, qui va nous permettre un petit peu de comparer après l'ouverture de booster. Ah, Alors, c'est on remercie Luigi qui fait Luigi compteur. Hein. également, évidemment, Non, directeur merci Premier, qu'on salue. Luigi ainsi que Jean-Michel et Marc Daniel qui est juste derrière la troisième caméra. Non, t'en ouvres 20 là ou 30? T'en ouvres 30, après j'en ouvre 30 sur mon compte. Ok, si tu veux, Vas-y, bah go. ok, donc on switchera de compte. Épique dorée! Oh, pique doré! Oh! Oh, nice! Hydre flow à Lead! meurtre! Et là, tu sais qu'on gagne des points. Épique dorée, c'est légendaire hein, par rapport aux poussières. Ouais, c'est Donc légendaire, ouais, c'est clairement. complètement fumé. Ah, j'aurais Clairement, tellement aimé clairement. qu'il y ait une légendaire là, mon cœur aurait sans doute Lâché? pris du pied.
Je sais pas, j'ai bah, la chute, c'était le plus facile pour te sortir de cette voie, Bazoscope. Merci. Attention. Allez, on continue, allez, le légendaire. Oh, dommage. J'ai vu la petite accélération. Ce matin, excuse-moi de te couper, des ultralosaures, j'en ai eu 9 sur 55 boosters. Après, c'est une commune. Ah, 9, c'est beaucoup sur 55. Ouais. Ouais, bah ouais. Et 7 mammouth mani là. C'est chiant quand t'as beaucoup de doublons comme ça. Ouais, la dernière extension, il y avait un bug qui faisait que t'avais plus de doublons. Les cartes de triple classe. C'est ça. Donc là, cette fois-ci, j'espère qu'il n'y a pas le même bug. Hein, parce que sinon, on perd de poussière. Alors. Ah, je parle trop fort. Tu satures un peu, ouais, t'inquiète, il va gérer. Désolé pour la saturation, on va régler ça. Ça s'est joué en plus. Je le joue dans le deck mage en ce moment. C'est pas dégueu. Qu'est-ce que tu penses de ces cartes qui ont plus d'attaque quand elles sont autour de ton adversaire? C'est un peu particulier. Le concept est intéressant parce que du coup, contre aggro, c'est un petit peu fort. Mais... Bon, c'était un triple rare. C'est exceptionnel. Ah, l'œuf de Diablozor, je l'ai eu en arène ce matin sur une Goro. C'est 5-5 qui ripop d'une 0-3. C'est un petit peu chiant qu'elle ait 3 HP au final. T'as envie qu'elle ait 2, t'as envie qu'elle meure. Imovie qui réagit go une Goro. Je vous souhaite plein de la tristesse. 93 bouquets. Merci Ben Bro. 3 légendaires en 93, c'est. C'est un petit peu en dessous des stats, mais c'est pas non plus catastrophique. Moi j'ai vu des tweets de gars qui ont ouvert 80 boosters qui ont eu 0 légendaire, ça c'est terrible. Moi sur 72 ce matin j'en ai eu 4, dont une gold. Sur 72 pas mal, ouais. C'est honnête, faudrait que tu fasses mieux aujourd'hui. Mais donc là attends, il m'en reste combien encore? On reste 10. On en avait acheté 40, il m'en reste 10 encore. Zone, quoi, celui-là. Ok. Allons-y, lui. Ouais, je vais un petit peu plus vite parce qu'il faut pas qu'on. Ouais, faut plus pas on avance. Trop, Faut que ce soit rapide. Il y a beaucoup de boosters à ouvrir. Épique! Une épique, oh ça c'est un petit peu nul comme épique. C'est le... bon, c'est... En vrai, ça peut faire une 10-10 charge pour 9 de mana. Ouais, mais est-ce que t'as envie d'avoir un port 10-10? Bah, si ça tue le mec, au final c'est comme Leroy. J'aurais imaginé genre... plus avec un djinn ou quoi en prêtre. Ah ouais, rigolo, mais. Tu vois, mais genre en paladin, c'est un peu nul. Mais... Ça, c'est avec ça que tu fais l'OTK, tu sais? Ouais, je faisais un serviteur allié, on a aucune copie. Le nouveau. En fait, comme Echo de Medivh à l'époque, il permettait de faire le deck Exodia. Ouais. C'est revenu avec la haut épique. Avec beaucoup d'épiques. Et commune dorée encore. Ah, oh, ça c'est fort ça. Hein. Enfin, en tout cas, là il le joue dans son druide, je sais, Charon. Il en a parlé. Et en fait, il joue les petites 1-1 du druide. Non, du paladin, pardon. Tu sais, les 1-1, genre, c'est comme Living Root, mais ça peut pas faire les 2 points de dégâts. C'est juste ça invoque 2 mains de recrue. Ouais. Et bah, tu joues avec ça, genre tour 6, tu peux l'avoir taunt du coup, et les deux petits 1-1 à côté. Ouais. Et il y a une carte qui donne adaptation à tout. À tous tes recrues, ouais, c'est pour ouais, ça. Tout, ouais, tes écuyers, tes recrues, ouais. Et c'est quand même très intéressant. Surtout, on arrive, je trouve. Encore une épique! Épique dorée! Mais ça what fait la troisième! C'est la troisième épique dorée sur 30 boosters, en effet. On voit tous les sorts que vous avez lancés sur ce serviteur. C'est là-dessus qu'ils avaient fait la démonstration du tout premier deck paladin, en gros. Benbrod, il joue. Disgustos, il avait fait un truc aussi là-dessus. Ouais, il a fait aussi sur cette carte. Mais c'est juste avant, enfin, le tout premier game contre paladin qu'ils se prennent, ils mettent 6 sorts sur cette créature-là. Donc quand elle meurt, les 6 sorts ils reviennent dans la main. Et après, il y a eu Galvadon et tout, là. Le problème, c'est si elle se fait silence, c'est ouais, mais elle c'est quand même pas encore joué, mais on va voir. Hein. Peut-être. Les gens vont inventer des decks au fur et à mesure, hein, des jours et des semaines. Vous pourrez les retrouver sur YouTube, les YouTube de Gamers Origin, Unit, Fichu, Loelo, Lutti également. Vous pourrez retrouver toutes les decklists, de vidéos là pour le coup. Même les decks fun et des decks un peu plus tryhard. Légendaire, c'est maintenant là. On rappelle également que dans une semaine, il y a la Gamers Assembly à Poitiers. Donc on va faire une semaine de tryhard intensif pour se préparer à ce tournoi là. Donc peut-être qu'on dévoilera pas les decklists sur YouTube de ce tournoi là jusqu'à la fin de tournoi, mais. Allez, il te reste 3 boosters Lutti. Ouais. Montre-nous. Petite légendaire. Ton talent. Pour Chansus, Malsor. Et les cuisines des Skillax. Allez. Putain. Et c'est Pelpel. Laissez tomber Lutti, hello. Babel va gagner avec des lunettes de soleil. Babel, t'as des fans. T'as des fans qui. La barre est haute pour toi, Babel. Kun qui nous dit, je vous préviens, la team petit pédestre. La team petit pédestre est composée d'eux et il a dit qu'il y avait dans son équipe, je crois. La régie est sur le pont. Allez, légendaire. Bon courage, les gars. Guy, merci à toi. Tu nous as tweeté une petite photo d'ailleurs assez rigole tout à l'heure. Bah écoute, GG à toi, c'était quand même pas mal. Deux légendaires. Deux légendaires. Deux légendaires. Une légendaire. Non, c'était une légendaire, trois épiques dorées. Une légendaire. Bah c'est pas mal, 3 épiques dorées. Je vais me connecter vite fait si tu peux changer. Juste Babel Buzz dans le chat. Oh là là. Sur mon compte. Exactement. Pour ouvrir mes boosters. Hop. J'ai pris un coup de vieux. Oh. Je vais faire. Donc Babel, t'as craqué, t'as acheté tes boosters alors qu'on t'avait. Enfin, on t'avait dit on aurait les boosters et tout, mais du coup tu les as achetés tout seul hors stream quoi. Genre, non, vraiment... mais en fait, hier je suis venu demander, j'ai fait est-ce que je dois garder mes boosters. On m'a dit non, demain vous en avez qu'Amazon Coin. J'ai fait bah ok, y'a pas de soucis alors.
Je fais, bah, moi j'ai lâché mes boosters. Du coup, tu les as achetés tout seul chez toi, quoi. Moi, j'ai pris, j'avais 72 boosters et donc j'ai fait 4 légendaires, dont une gold. Et c'était quoi la gold? La 3-4 où les Death Rattles sont des cris de guerre. Mais en fait, le problème, mon cher Loello, c'est que le chat on peut pas le mettre parce que c'est ce qu'ils voient les gens. Ils voient tous ouais, il voit le retour, il voit le retour. D'accord. C'est pour ça qu'on peut mettre le chat. Ok. Bah, d'accord. Je pensais qu'on pouvait. Je voulais lire un petit peu le chat. Bah, du coup, pour ceux qui veulent réagir sur Twitter, on va pas pouvoir lire le chat. Bon, les autres gens téléphone, le lisent si vous voulez parler sur le chat, mais nous on pourra pas lire pour l'instant le chat. Bon, je vais commencer. Non, on va faire son musique, je pense. De toute façon, on fait son musique. Moi, je vais commencer. Attends deux secondes. Ouais. Bah, c'est pour swap juste deux secondes parce que j'avais. Pourquoi tu me dis attends deux secondes? Ouais, mais c'est parce que c'est le pire co-animateur du monde. Le mec il te dit attends, je attends vais deux secondes, dire je vais parler à quelqu'un d'autre. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux être perturbé et faire une sale tête? Arrête de parler. Je me gratte là. Arrête, laisse le silence. Donc voilà. Bon, je vais voir 30 boosters. On fait 60, on fait une session de 60. Après, on refait une session de 60. Donc on va tourner. On ouvrira d'autres streams ou alors avec les guests un petit peu plus tard. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance. Allez, les amis, sur Twitter, je compte sur vous, hein, les bros. Pour le soutien, il faut qu'on les massacre. Hein, la barre est très très haute pour moi. Parce que la barre est haute. Parce que la barre est haute. Parce que j'ai un passé de grand ouverture de booster incroyable qu'il va falloir battre. C'est parti avec le meilleur d'autres cartes pour voir des légendaires. Évidemment, sur Hearthstone, on commence directement. Bon, d'autres cartes du riche. En vrai. Du riche qu'on m'a offert, mais c'est quand même très sympathique. Hein. Très sympa. Il faut que je fasse semblant d'avoir acheté. Ouais, mais j'avais trop de thunes. J'avais trop d'argent, je me suis dit. Oh, directement la première légendaire. Mais ça, c'est du talent alors que Guillaume est rentré dans la salle. Ça, c'est parce que Guillaume est rentré, hein, évidemment. Une légende dorée serait très sympa pour ouvrir les festivités, hein, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, mesdames, messieurs. Elle est pas dorée. Elle est pas dorée, c'est quoi? Oh, c'est... joli, mec. Si tu l'as pas, elle est trop bien cette carte. Ah, celle-là, elle est géniale. J'en ai aucune encore. C'est les premiers boosters que j'ouvre de l'extension là. À part sur Anne, j'étais. Enfin sur Europe, je veux dire. Chaque fois que vous du coup vous défaussez cette carte, lui donne plus de +2, la renvoie dans votre main et ça tombe bien parce que j'ai. Oh, il y a un Twitch, on l'a raté. Il a dit qu'il souhaitait bonne chance à tout le monde. Ah nice, bah merci beaucoup. Ok, première légendaire, très très bien. Pronostiqué sur le chat, mesdames, messieurs. C'est pas mal. Première légendaire en booster. Ouais, c'est pas mal. C'est correct. Après, c'est l'échauffement. Lui, tu me connais. De toute façon, il faut des. Allons-y. Ce qui serait incroyable, c'est que t'es deux légendaires dans un booster, évidemment. Ouais, ça serait ouf ça. T'as vu, la souris est pourrie, hein. La souris est vraiment nulle, hein. Oui, j'ai demandé, on peut avoir une autre souris, juste même celle de mon ordi, si tu peux. Merci beaucoup. Affique, ouais, ça m'a un petit peu approximatif. C'est pas terrible, hein, pour ouvrir des légendaires. Bah c'est ça, il manque qu'il y a un petit problème d'APM, quoi. Ouais, c'est ça. On a l'impression que tu tryhardes comme sur Overwatch pour ouvrir un booster de Hearthstone, quoi. J'ai à peu près le même APM sur les deux jeux. vos sorts coûte un cristal de moins, c'est bon. C'est tellement bien, moi, je trouve cette carte. C'est très intéressant parce que ça lui donne une mécanique un petit peu à la mage. Et je pense qu'il y a des choses à faire avec cette carte là. En plus, c'est pas une légendaire. Elle, hein, elle peut être jouée en deux exemplaires dans le deck. Donc, il y a des choses intéressantes à faire avec. Je suis content quand on l'est. Bon, après, c'était une commune. On pouvait la crafter. Très, très bien. Allons-y. Un petit booster de base. Il en faut. Base, hein, merci beaucoup. Booster low et low like, hein, évidemment. On continue. Allez, j'aimerais bien avoir au moins une légendaire dorée pour les poussières. Ok. C'est quelle légendaire que tu veux absolument craft en première quand tu Moi j'aimerais vraiment bien avoir la quête du démoniste. Après, l'idéal c'est d'avoir le maximum de quêtes possibles en table de légendaire parce que les quêtes, j'imagine que je vais toutes les crafter quoi qu'il arrive. Ah merci, nouvelle souris. Tu peux me dire que là je galère vraiment. Par contre, le câble est un peu court, mais. Non, c'est pas grave, ça, t'inquiète. J'ai l'habitude des câbles courts. Le bien c'est qu'après il fait. Ah non, ça va, bien joué. Du coup, il faut que je me remette là-bas. Non, oh non. Tu voulais reprendre la place? Allons-y. Let's go. J'ai eu une épique du coup, je viens d'avoir une épique à l'instant. Soit une légendaire en 72 boosters, rend l'argent Loello, j'étais pourtant abonné. Mais non, mais Benji, il y a un service après-vente, évidemment, il faut contacter Guillaume. C'est Guillaume Merlini, évidemment, c'est le service après-vente. Si vous êtes abonné à Loello TV, si vous n'avez pas de légendaire dans vos boosters, vous êtes un bon gars, que vous n'avez pas de légendaire, il faut le contacter. Ah merde, j'ai pas lu. Le guest, c'est Davido, référence à Chansus. Ça serait cool, mais malheureusement. Davido est en Belgique, hein, c'est très compliqué d'inviter peut-être les Belges. Peut-être pas du coup. Moi j'ai dit peut-être, toi t'as dit malheureusement. D'accord, bah, du coup non. Ah merde. C'était trop trop. Désolé. Non mais c'est les gens qui sont en Belgique, c'est plus compliqué qu'ils se déplacent en fait. Hein. C'est ce que les gens qui sont à Paris, tu peux les inviter en fait. C'est pas fou là non, pour l'instant. Non, il faut qu'on se concentre un petit peu sur. On garde les meilleurs boosters pour la fin en fait. Hein, oui, bien sûr, mais bon. Tu fais toujours un gros départ, ouais. Après tu ralentis un peu et puis sur la fin c'est comme une chaîne bolt au final. Parce que moi je suis un animateur, j'entretiens le suspens évidemment. Le suspens. On dit suspens. Le suspens. On dit suspens.
Moi, ma prof de français, aujourd'hui, on dit suspens, pas suspense, parce que suspense, c'est de l'anglophonisation. De l'anglophobie. Des lois de marché. Donc, bon, très bien. T'as passé quoi des références à Âge de Glace? On fait 3, t'as vu? J'avais pas tilté que c'était Âge de Glace. C'est Mani, ils ont fait le Dent à Tigre et ils les ont sortis sur Facebook après. Ouais. Ok, ok, ok. Et par contre, ils ont pas fait les Muriens, quoi. Enfin, Moi, je suis pas un grand fan d'Âge de Glace, j'appréciais un peu le truc, donc du coup, j'avais pas forcément tilté, mais ouais, c'est rigolo. Ah bah, sache que c'est des grands fans de toi et qui sont grave déçus que t'aies dit ça. La manie de tigre, mec, déception de ouf. Là, je suis déçu là. L'heure est grave, mesdames, messieurs. Je vais avoir besoin de votre énergie, mesdames, messieurs, sur le chat et de votre log, de votre chat. Je compte sur vous. Mademoiselle, par ici. On en est déjà à quasiment 15 boosters, 13 boosters et une seule légendaire. Il nous reste 7 minutes. Oh bah, on va pouvoir. Ah, 7 boosters hein. Il reste 7 boosters là hein. Bah non. Mais non, j'en ai fait 30. Il en a 20. 30. Ouais. Donc non, t'inquiète. On gère. On y est, il me reste 27. Non, 17. Allons-y. Ouais, 17 c'est quoi ça? C'est 3 légendaires pour un nouveau. 17 c'est 2-3 légendaires normalement. C'est fort. 2 légendaires c'est cool, 3 c'est génial. Par contre, ce serait bien que t'aies des épiques et des golden un petit peu. Ouais, parce que 0 là, ah, 0 épique. Tu sers, les tuteurs ça vient pas. J'en ai eu une épique. Épique dorée. Oh là là, mais ça va pas du tout là, mais que se passe-t-il? En plus, c'est la rare toute pourrie qu'on a déjà eu en doré là. Voyons. Ah ouais, c'était celle-là? Ouais, c'est celle-là, je crois. Rien d'exceptionnel. Ah, c'est celle-là, messieurs, ouais, c'est le Volcanosaur, on a que ça. On veut le 5 légendaire dans le dernier paquet ou Unguro. Oh, putain, ça c'est mon rêve, le rêve d'une vie, mesdames, messieurs, le rêve d'une vie. Parce que ça, c'est la vidéo à 1 million de vues, ça. Est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir plus de légendaires dans un paquet? C'est possible, c'est déjà arrivé. Genre 3, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et 4, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ouais. En tout cas, il y a plein de gens, c'est des légendes Reddit, c'est des légendes. Non mais c'est arrivé, après c'est pas des streamers ou trucs comme ça, donc c'est pas très médiatique, mais les screenshots etc ont été très viraux. Il y a plein de gens qui disent que c'est du fake. Après, parce qu'il y avait un logiciel pour le faire sur internet où tu fais opening booster fake, tu mets max légendary. Bien sûr, mais après le truc c'est que bah voilà, après mathématiquement c'est pas impossible, c'est juste très peu probable. C'est comme gagner au loto, il y a toujours quelqu'un qui gagne, enfin. C'est pas faux. Non. Enfin, toutes les 3 semaines quoi. Voilà, oui, voilà. Donc, ah, c'est ça, au final, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Il y a quoi? Il y a 30 millions de joueurs sur Hearthstone. Bah, il y a forcément un mec qui va un jour avoir le booster ultime. Méga, le booster ultime de 5 légendaires. Après, 5 le 5 légendaires, ouais, ça, j'y crois quasiment pas quoi. Non, mec, déjà 5 légendaires, c'est quasiment impossible. Loello va loose les doigts dans le nez. Unguro comme un certain. Oh non. Oh non. Oh, cool. Oh les épiques. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, j'aime bien ce petit cri là, ça m'a réveillé. Pas de soucis. Elle est même pas dorée. Ah, c'est gigantesque encore. Ah, j'en ai marre. Ah, ça va, c'est. Mais c'est pas grave, ça fait des poussins. Et en vrai, il en reste. Il en reste encore plein. Allez. On enchaîne, il me faut au moins une légendaire puisque l'utile, c'est catastrophique. Reflet de magma. Donc, ça, je suis content de l'avoir parce que elle va être jouée. Ouh, elle a déjà la carte démoniste aussi. Ça, c'est très très cool. La carte. Vraiment la quête du démoniste là. Très bien. J'ai vu la légendaire là. En bas à droite. Dommage. T'as mal vu l'utile. T'as vu, ils mettent encore toujours un peu de. Ouais, ils mettent l'animation un petit peu dorée, donc t'as lumière t'es baited. Oh, regarde. Et tu vois, là, c'est là, en bas à droite, juste entre les deux cartes du bas, il y a un espèce de truc jaune, mon gars, quand ça explose. Ouais, c'est genre. Un faux espoir, ouais. Et voilà, regarde, l'autre référence. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien vu. Lolo, tu veux pas faire un effort sur ton ouverture ou. Mais j'essaye, Babel, je veux pas décevoir la team après. Allez, Lolo. Non mais c'est juste, là c'est ce qu'on appelle, c'est bien descendre pour, c'est creuser le puits pour en sortir. C'est pas comme ça qu'on dit, genre tu vas t'en sortir mec, il est tellement désespéré, tu vas y arriver mec, vas-y. Non mais on va s'en sortir mesdames, messieurs, c'est juste que j'ai placé peut-être la barre un petit peu trop haute. Non, tranquille. C'est pas impossible, allez encore au moins une. Il reste 10 boosters encore, tranquille. 30 boosters c'est catastrophique. Allez, au moins une deuxième. Une deuxième, c'est possible une dorée pour voilà pour rattraper le coup. T'en compte à quel point t'as... Ton humeur et ton sentiment sur toute la soirée se jouent sur de la fucking RNG. Ouais, mais Blizzard, voyons. Voyons. Je représente la moitié de votre chiffre d'affaires quand même, le nombre de boosters que j'ouvre tous les mois. C'est un tiers. Vous pouvez me donner plus de légendaires, sinon je vais aller ouvrir des boosters sur Dofus moi. Une deuxième. On est écouté. Comment c'est magnifique, c'est tellement incroyable. Légendaire Golden, légendaire doré. Oh, c'est une scène. Doré. Oh non! C'est la quête du chasseur! Nice, ça, je suis trop content! Oh, plus je la voulais! Donc, du coup, jouer 7 serviteurs à un cristal, c'est récompense, Kamasa, qui est évidemment génial. On va la jouer, bien évidemment. Bon. Bah, on a le deck hunter, donc je pense que de toute façon, on va pas passer à côté. Yes. Allez, c'est une autre maintenant. Du coup, là, t'es déjà deux. Hein. Je suis déjà deux. Rare doré, une de plus. Rare doré, nice! Luigi, tu notes! T'as deux fois la même de suite, doré. C'est vrai, c'est deux fois la même? Exactement.
Bon, allez, on continue. Il nous reste 6 boosters encore avec celui-ci. Encore et pique. Les joueurs, ça serait cool. Ok. Ouh, j'avais pas vu que c'était une épique. Nice. Ok. Ok. Tu veux pas recommander un petit peu? Ça marchait grave bien. Non. Ah, je leur fais confiance, bizarrement ils devraient me régaler là. Ils vont nous régaler, C'est toujours sans le booster où tu dis qu'ils vont être cool, qu'ils te mettent rien, et quand tu commences à les insulter, ils te mettent une légendaire mec. Blizzard, bande de bâtards. Non, faut pas, c'est bizarre. Vas-y. Allons-y. Voyons, j'ai l'autre carte qui coûte cher en plus. Ouais, c'est vrai. En plus, il l'a acheté. Ouais, je l'ai acheté, ça m'a coûté un smic. Non, pas du tout. En vrai, mais c'est un peu con d'acheter. Non, c'est pas forcément con pour les collectionneurs, mais moi je collectionne pas particulièrement. Parce que surtout quand t'as d'autres cartes, bah tu utilises deux fois la même. Tu peux pas utiliser deux d'autres cartes, donc un peu dommage. Allez, plus que deux boosters ici. Il faut surtout pas qu'on perde contre des équipes de noobs telles que Fichou. Donc il faut qu'on ait le maximum de légendaires. Allez, Blizzard, encore une légendaire s'il vous plaît. De toute façon, après il nous reste encore 60 boosters à ouvrir, mais non, please, une légendaire. Allez, le dernier. Oh, c'est dernière carte. Oh, le booster de base de merde pour finir. Ah, je suis trop. Bon, ça va, deux légendaires mais peu d'épiques dorées et peu d'épiques tout court. Ouais. Un peu la tristitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Babel. Est-ce que tu peux nous faire un point sur cette ouverture de booster? Et coucou Fichou qui vient de débarquer sur le canapé. Ok. Donc c'était une ouverture de merde. Donc on a vraiment rien eu d'intéressant, surtout du côté de Loello. Ouais. Alors par contre Luthi a fait une très belle ouverture. Vraiment c'était magnifique. Il a eu 3 Epic Gold qui, ça représente des légendaires. Bon bah c'est pas grave Loello, enfin. T'inquiète, t'auras une deuxième. Abonnez-vous à la Loello TV. Ah mais je m'étais désabonné hier pour me réabonner ce matin, j'avais zappé, putain. Je vais m'abonner après et je vais avoir des légendaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Fichou, arrête de me faire de la mauvaise pub, bâtard. Fichou, bonjour. Hey, bonjour. Comment va? Bah écoute, ça va, là ça va être Nameless et Eken qui vont ouvrir 60 boosters. Ok. Et si j'ai bien compris, c'est un concours où ça marche en poussière arcanique, c'est ça? Ça marche en poussière arcanique, exactement. Et vous avez eu quoi? Nous, alors, on a eu, sur 60 boosters, on a eu 3 légendaires et 3 épiques dorées. C'est pas mal. Donc 6 légendaires quoi en gros. C'est pas dégueu. Une légendaire tous les 10 boosters globalement en termes de poussière. Valeur en termes de poussière. Bon bah du coup, bon courage, on va accueillir que des Nameless qui vont venir tout de suite. Yep. Et ah ouais, la page des poussières. On a la page des poussières. Oh, c'est trop bien comme nom. Et alors, le nom d'équipe de. Oh là là, la team pédestre. Oh, c'est et classe. On s'appelle la team Sopalin et la team. Oh putain, j'ai trop beau de se regarder, je suis musclé de ouf. Non, mais cette photo, on la change quand? Non, ça commence à faire un moment. Donc, déjà. Du coup, on a déjà 4920 poussières d'accumuler sur cette ouverture de 60 boosters. On va laisser la place. T'as du vu coup. La photo? Regardez la tête de Fichou, putain. Regardez la tête de Fichou. Et retour. Tout le monde, alors là ils sont en train de s'installer, ils vont ouvrir évidemment 60 boosters donc sur le compte de 60 boosters directement sur le compte de Kun. Tu veux ouvrir en premier? Pardon. Ça va toi? Tiens, en échange tu veux. Tranquille. De quoi? Alors. On peut échanger si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est malaisant un petit peu. Je sais. Toujours. Donc là ils s'installent. C'est beau. Hein. Ah, ça va être à vous. Les aléas du direct. Ok, donc normalement on devrait être en ligne. Voilà, je suis en train de me connecter sur mon compte. Donc ce qu'on va faire, il y a déjà eu beaucoup d'ouvertures de boosters depuis quelques temps sur la GoTV comme sur les autres TV. Donc on va essayer d'aller un petit peu vite. On a 60 boosters à ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir 40 sur mon compte, puis 20 sur le compte de Nameless. Et pendant la deuxième session d'ouverture, on ce sera The Fichou. Voilà, The Fichou 40 et toi les, et moi, les 20 derniers. Qui te restent. Voilà, donc on va pas tarder à lancer ça, ce sera sublime. Il y a Rémi qui vient de me faire ce signe là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu pues la gueule. Hashtag en fait. Il te faut un chewing gum, il oui, te faut un chewing gum, je crois. Exactement. C'est pas grave. Oubliez pas le hashtag GoUngoro et comme ça vous avez votre tweet qui s'affiche. On est prêt à lancer l'ouverture. Fichou, t'es prêt à regarder? Oh, t'as mis une veste. Ouais, j'ai mis une veste histoire d'être un peu classe. Attends, vas-y. Tu veux que je fais les autres? C'est bon, c'est parti. Hop. Vas-y, t'appuies. Ouais, j'appuie sur espace et toi tu les ouvres. Oh, ce travail d'équipe. Oh là là là. Magnifique. Déjà à une épique de rare. En termes de poussière, allez, ça commence bien. On va juste patienter quand on verra une légendaire. Eh, en vrai, on a de la chance. Hein. Le fait mais d'être non, streamer. C'est le talent ça. Non, mais le fait d'être streamer, c'est quand même cool. Ça nous permet d'avoir tellement de boosters à ouvrir en début d'extension. C'est quand même cool. Bon, en même temps, c'est pas comme si on en avait besoin, vraiment, je veux dire. Avec tout ce qu'on joue, quand même, globalement. Vrai, moi, j'ai déjà quasiment
de l'extension juste avec les poussières et mes gold. Parce que oui, oubliez pas que même si vous mettez pas d'argent dans le jeu, il suffit que vous ayez bien économisé vos gold. Et moi par exemple j'avais 4000 gold, donc ça fait déjà 40 boosters. Ou alors comme moi, si vous êtes vraiment un pauvre et que vous jouez en free to play, vous jouez beaucoup en arène, vous avez beaucoup de poussière, et avec la poussière, eh ben, vous craftez des cartes, ça marche aussi. L'utile OBG a fait une ouverture de dieu, j'espère que la team des petits pédestres ne fera pas mieux. Oh bah ouais. Ils ont même pas eu de légendaire doré. Alors ouverture de dieu. On me dit dans l'oreillette qu'il faut faire un placement de produit Amazon. Il faut faire un placement de produit Amazon. Ah oui, on a Amazon, c'est bien, mangez-en. C'est vrai que là c'est Amazon qui nous file les boosters, donc c'est vrai qu'on peut difficilement leur cracher dessus. Oui, en tout cas, merci beaucoup à Amazon. Merci beaucoup à Amazon en tout cas. Ah Amazon. Et voilà. J'embrasse Infomax qui nous regarde évidemment. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, on devrait planter dans pas longtemps, normalement. On devrait planter ? Oui, bah Infomax. Ah oui, oui, oui. Bah. Évident. Eux, ce ne sont plus nos partenaires. On peut y aller. C'est non, bon, on peut y aller. Par contre, je veux pas être pessimiste, mais là, ça commence faiblement. Alors, pour l'instant, on a eu que 4 épiques. Ouais, et on a surtout pas eu de légendaire. On a pas eu de légendaire, mais bon, t'inquiète. On est... Voilà. Oh, mais je viens de la craft. Oui, bon. Ah. Ah. Mais t'en as deux maintenant. Tu vas pouvoir en mettre deux dans ton deck. J'en ai deux. Tu pourras en passer une affiche ou ? Grave. Tu m'en prêtes une ? Je te l'échange contre le dragon blanc aux yeux bleus. Ça marche. Elle est dorée, elle est premium la carte. Ah, la carte. Encore une épique. Elle marche mieux celle de Ken. Tu parles de quoi ? De ma. Oui. De ma carte ? Oui. Oui. De ta quête. On part toujours de ta carte. Non, mais j'ai que des épiques. Oh, épique d'or. Doré. C'est comme légendaire. C'est comme légendaire. Et comme une légendaire, ouais. Le limon gloutant qui n'est peut-être pas si mal que ça parce que pour avoir joué un petit. Un peu là tout à l'heure en ladder, oui, ou en 5, il y a encore beaucoup les amis, encore beaucoup de guerriers fesses, mais quelle surprise! Voilà, les gens se disent, bon, tant que. Moi tant je m'y attendais pas, tu t'y attendais toi? Bah oui. Oui, en fait, tout le monde s'y attendait en fait. Tout le monde s'y attendait. Non, mais le temps que les gens testent des decks, après je pense que si le Warface reste au top, je pense qu'il sera vite facile à contrer, parce que maintenant on a quand même pas mal de taunt, on a quand même pas mal de cartes qui peuvent contrer le Warface. Ou des decks encore plus cancer éventuellement. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais. Bon, pour l'instant, qu'une légendaire. Et c'était pas le King Kun. Aïe 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 aïe. Ah, ça sent mauvais, hein. De toute façon, on s'en fout parce que. Ah, épique. Doré ? Ah, non, même pas. Oh, il est bien ça là par contre. Au pire, nous, moi tu vois, ce que je vais dire, c'est que oui, j'accepte totalement de perdre le concours d'ouverture de booster. Du moment qu'on gagne les matchs. Exactement. Je suis d'accord. A priori, on devrait gagner sans trop de problèmes les matchs. Oui, parce qu'on est très fort. On est trois très bons joueurs d'arène. On est trois très bons joueurs. Ça compte. Ça compte. Oh, attends, on a la carte annoncée par Géo. L'hydrologue. L'hydrologue. Ouais. C'est un signe, ça. C'est qu'on va avoir que des légendaires maintenant après. C'est ça. C'est bien connu. Ah, ben. Ah, putain. C'était peut-être un signe le canard. Hein, plus qu'un signe. Non, mais promis, là. Tous les boosters qu'on ouvre sur le tien, c'est que des cartes de merde. Bon, c'est normal, c'était booster à toi. Oui, mais sur moi, les 20 boosters cartes... à moi, oui, bah oui, j'ai voilà, que ça. Des légendaires. Exactement. Forcément, parce que moi, j'ai pas encore ouvert de booster sur le mien. Obligé. C'est la logique de Hearthstone, ça. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, à chaque booster d'arène, quasiment, chaque jour, j'ai eu une légendaire. Oh, mais je viens de la craft. Chaque fois, c'est une qu'on a craft juste genre 30 secondes avant. Parce que, en fait, pour vous donner une idée, pour les matchs qu'on va faire après, on devait choisir 3 classes sur les 9, comme il y a 3 teams, chaque team jouera 3 classes. Nous avons druide, mage et. Druide, prêtre et voleur. Oui, non, c'est ça. Druide, prêtre et voleur. Druide, prêtre et voleur. Et du coup, on s'est fait 3 decklists qui, je pense, vont bien rouler sur tout le monde. Et le prêtre est sympa. Ce duo digne du Bichente et Christian Jean-Pierre. Qu'en pensez-vous, Bichente ? Je passe rien en fait, je parle pas. J'ouvre des boosters. Qu'en pensez-vous ? C'est vous Arsène. Non oh merde. Arsène Vengé Wenger. Bon allez, on est presque au bout des boosters là. Jean-Pierre d'ailleurs. Au moins il y a un légendaire là. Parce qu'on a fait quoi ? On a fait 40 boosters là ? 2 légendaires. Honnêtement, c'est la moyenne. Normalement, c'est une légendaire tous les 20 boosters. Ouais. Donc en vrai, on est ni nul on est dans la moyenne. Ni bien, on est dans la moyenne pour l'instant. Mais ça peut encore péter sur la dernière. Enfin, pour l'instant, on est en dessous de l'autre. Hein. Ouais, on a eu une épique dorée. On a eu une épique dorée. Et pas mal de pas dorés. Et c'est tout. Et bah écoute. Bon, on va link le mien. Là, je te garantis, sur les 20 boosters, on a 2 légendaires. Allez, ouais. 2 légendaires, une fois. Fichou, un petit débrief. Sur une ouverture de boosters. C'est la merde. Moi, je suis comme ça. Vous savez pas voir des boosters, bande de. Je faisais ma sieste. 2 légendaires plus une épique dorée, ça fait 3 légendaires sur
40 boosters, ça veut dire que là derrière, si on arrive à faire 3 sur 20, on est ex-aequo globalement. Ouais. Après, on a eu pas mal d'épiques quand même. Ouais, il y a eu pas mal. 1 sur 3, j'ai l'impression. Hein. Ouais, une épique alors, sur 3 boosters. C'est une sur 5. Ouais, donc normalement, c'est ouais, exactement. Donc, non, je pense qu'on est pas mal. Et ça va le faire. Ouais. Bah, après, ils ont Loello. Loello, il chatte sa mère. C'est vrai que. Bon. Même s'il a pas été au top apparemment juste avant. Tu t'es pas abonné à l'OTV? Mais si, moi je suis abonné à l'OTV. Mais moi aussi. On nous a arnaqué en fait. On nous a arnaqué en fait. Ça n'a aucun rapport. Loello nous ment. Ou pas. Il nous a menti. Et ben écoutez, on est prêt. On est prêt à ouvrir la deuxième phase de booster. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Je peux ouvrir toujours? Que des légendaires. Vas-y, vas-y, tu fais espace, j'appuie. Est-ce que vous savez, bah tiens dans le chat vous allez nous dire, est-ce que vous savez si c'est déjà arrivé un booster avec 5 légendaires? Honnêtement, je crois pas en avoir vu. Le maximum que j'ai vu, je crois que c'était 3 légendaires dont une dorée. Mais j'ai jamais vu 5 légendaires dans un booster. Je sais pas si c'est possible, si dans le code du jeu c'est possible. Oh bah, ça doit être possible, c'est mais ultra rare. C'est possible, mais c'est extrêmement rare en fait. Ouais. C'est pas plus d'un joueur sur deux. Ouais. Allez des légendaires là. On l'entend. Appuie mieux sur l'espace. Appuie mieux sur l'espace. Ouais. Applique-toi mieux. Ok. Attention. T'es prêt? Vas-y. Je le sens bien. Celui-là je le sens bien. Oh je le sens. Oh bah. Ah tu l'as filé la raquette là, elle est tapé. T'as fait des mèches? Ouais mais c'est raté. Mais c'est raté hein. Non. Allez. T'es censé en avoir une au moins. Bah oui, quand même. Pour le principe. Ah, et puis alors, même pas d'eau. Ouais, quoi. Ah, on est bien. Quoi. Allez, allez. Ah. Pour la beauté. J'ai trop légendaire, ça vient de temps en fait. J'ai épuisé ma chance, je crois. Bah, c'est une question de variance, hein, en plus. C'est hein. Ça. C'est une loi statistique. Fuck. J'en ai ouvert un tout à l'heure en plus. Normalement, tu es censé en avoir moins si tu as eu de la chance ces derniers temps. Bon, bah. Ouais, faudra s'attraper sur Fichou, hein. Tu seras notre dernier espoir. Faut que vous arrêtiez à combien là? Là on s'arrête à 20. Oh oui. Ouais, il nous en reste 7. Ah oui, tout, tout. 6 maintenant. Zout, zout, zout. Allez là. Une petite fête. J'organise d'ailleurs une petite fête aux zout. C'est vrai? J'invite quoi le 15 août? J'invite toute la Belgique. Tu m'invites toute la Belgique? Attends, faut que je fasse gaffe à pas trop spammer. Ok. Il reste 5 boosters. Ouais, 5. 5 boosters, c'est l'équivalent de 25 cartes. Putain. C'est l'équivalent de 20 cartes. Il y a moyen encore, hein. C'est l'équivalent de 15 ouais. cartes. Merde, merde, merde. Vulgaire, tu trouves ça vulgaire? Oh non, mais sérieux. Ouais. Deux boosters, faut qu'ils comptent cela. Oh, comme une dorée. Comme une dorée. Oh, comme une dorée. Ouais. C'est ta meilleure carte. Toi, au moins, t'es du légendaire. Ouais. J'ai même pas eu une seule. Wow. Oh là là, sur la dernière quand même carte, sur le dernier booster, on a une légendaire. Et d'ailleurs, j'écoutais un petit peu Uni des Kallax qui parlait de cette légendaire hier, et Kallax avait l'air assez chaud. Ils avaient juste l'air de dire que la carte était très très forte. Le seul problème, c'est qu'elle était en Hunter et que le Hunter se dirige pas du tout vers une bah oui, clairement. Vers un archétype où tu attends ton tour 7 quoi. Bah oui. Ou alors sinon, c'est que t'as déjà perdu en général. Ouais. Et eh ben écoutez, voilà, on a fait nos 60 boosters, la team pédestre. On n'est pas trop loin quand même. De mémoire, David et Esquilax ont ouvert un paquet avec 3 légendaires, dont 2 dorés en stream. Putain, ça c'est ouais, c'est pas mal. Là, on finit avec 3 légendaires, une épique. Dorée. Une épique dorée, donc ça fait 4 légendaires. Après, c'est en termes de poussière globale, donc si ça se trouve, en termes de poussière globale, après, on est pas mal. Si, comme finalement, les communes dorées, ça vaut 50, donc c'est pas mal. Ouais. Bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'à. On va voir les poussières, ouais. Tout ouais de suite. On peut Est-ce voir qu'on a les un bilan les poussières. Pour vous dire par rapport au programme, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va. Putain, c'est faute cette photo c'est de Keun, quoi. Non, moi, on dirait que tu vas perdre la pétanque, quoi. Avec une coupe à la. Eh, je suis le seul mauvais des trois quand même. Est classe, quoi. On dirait Philippe Lucas, quoi. Alors, on y va. C'est compliqué s'il me demande là, hein. Ouvrir que 30 boosters, t'en as fait plein. T'as envie d'aller plus loin. Les boosters, c'est comme les chocolats, tu vois. T'en prends un, t'as un petit goût de reviens-y dans la bouche et t'as envie d'enchaîner quoi. Alors par contre ne va pas trop vite parce qu'il faut que les gens puissent noter en fait. Vous avez compté mes rares et tout ? Bon, ça fait deux rares. Voilà, donc on va pas aller trop vite.
3. C'est le début, c'est pour se chauffer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y aura des trucs bien. 4 A. C'est parce que tu les ouvres trop vite, tu savoures pas. Non, je savoure. T'as compté les. Ah, ça. 5 A. Ah, ça, c'est quand même 5 boosters de base de suite. Non, ça va aller, ça va aller. Non, jamais 5 sans 6. Tira. Ouais, c'est facile à compter du coup. Là, pour l'instant, le tracker tient. On a 7 rares sur tous. Excuse-moi. Ça va, j'en ai tellement. Hey, c'est combien j'ai de poussière? Je sais pas. J'ai 40 000. 40 000, c'est impression. Moins que mon compte américain. Ah. On a 7 rares et une rare dorée. Et une rare dorée. Donc ça fait 7 rares normales et une rare dorée. Ah, est-ce que tu as craft une Sylvanas dorée pour avoir des dust en plus ou ça ne marche pas? J'ai tout, ouais. J'ai tout en doré. Ouais. Ouais. Et donc t'as eu les deux. Ouais, ça a pop là quand on a quand c'est quoi. Une épique et une rare s'il vous plaît. Donc 8 rares, une rare dorée, une épique. On va pas le compter jusqu'au bout, normalement il y a quelqu'un qui s'en charge. Une rare s'il vous plaît. Par contre moi il faudra me dire stop, parce que je sais pas à quel booster j'ai. Ah bah j'avoue. j'ai commencé à 54. 54 donc. On s'arrête à 24. 24, attends, je sais jamais si tu. Si t'en fais pas un moment un. Ah il y avait une rare dorée là s'il vous plaît. Il y a deux rares et une épique, s'il vous plaît. D'accord. Tu sais que j'ai croisé le Drake primordial contre un Grey contrôle. Ah, par contre, je n'ai pas ton retour dans, ah, dans non, le cas, c'est normal. Ouais, c'est normal. Normal. T'enlèves une oreille. D'accord. Donc, cette oreille, je te l'offre. Eh, il est pas dégueu, celui-là. Ça commence à s'améliorer. C'est comme une légendaire, ça. Épique dorée, rare, commune normale, commune dorée et rare. Deux rares. On s'arrête à 34. Non, 24. Ouais. Attends. 24. On ouvre 40 chez toi? Non, 30. On a 30. Dit. Et t'es à 54? Ouais. Donc c'est 24. Une rare. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de compter là? Ouais. What the fuck? Mais il y aura après dans l'overlay, il y aura le décompte qui est fait. Donc il y a vraiment un gagnant pour celui qui a le plus de chat. Ça, on a fait un concours là-dessus. Hearthstone, c'est ça, non? Très bien. Oui, c'est un petit peu ça. Mais on avait déjà fait ça, tu te souviens-tu? Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que si je te donne l'oreille gauche, en fait, le micro est très loin. Ah, oui, effectivement. Mais faut que je te donne l'oreille droite alors qu'elle est loin pourtant. Enfin, que tu me donnes. Je te la prête. Ouais, tu peux me la prêter. Je fais pas trop de saloperies avec, je te rassure. Oh! Oh! Une des meilleures! Quand même. Hashtag GoenGoro, vous avez commencé à 57. Oh les bâtards. Ah, merde. Donc ça fait 27. Et heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui. Mais tu les ouvres à une vitesse. J'ai pas le temps là. Mais tu fais tout à cette vitesse là, c'est fou quoi. Comment ça? Comment ça? C'est une question d'ordre général. Je m'entraîne très vite. Parce que moi je vais prendre mon temps. Hein. Tu vois, j'ai découvert les cartes. Je fais, oh ça c'est sympa. Et tu fais tout à cette vitesse là? Non, pas forcément. Forcément, très bien. On a une rare, s'il vous plaît. C'est moi les trucs que j'aime bien. Il y a Twitch qui est en sueur. Ah, par contre, j'avoue que si tu vas très très lentement, moi je vais peut-être me lever, hein, laisser ma place à quelqu'un. Tu vas vite, hein, quand même. Si tu vas très vite. Tu vas... En fait, on n'a pas vraiment le temps de véhiculer l'émotion du booster, tu vois, genre... Y'a pas d'émotion. Les viewers ils ont trop de boosters ouais, opening on là. Va, on va laisser Luigi s'éponger là le front parce qu'il doit tellement souffrir. Non, je t'en éponge le front de Luigi. C'est ça, je t'invite à meubler pendant que je me log. Alors actuellement les amis, dans ma maison j'ai 6 meubles. Y'a une belle commode que j'ai acheté chez Ikea. J'ai également. Non, attends, laisse-moi finir. On n'a pas le droit de faire cette blague là. Une belle armoire qu'on a montée à deux. Sur la notice, c'était écrit conseiller de monter à deux. Et alors, on a mis peut-être une petite demi-heure, 45 minutes. C'est vraiment trop fort. Normalement, il faut 6 heures pour monter un truc. Non, c'était rapide. Et alors, on a également racheté récemment une autre commode, mais vraiment très sympa. Tellement qui est en synergie avec les murs, en fait. C'est parce que c'est la même couleur. Est-ce que vous avez fait Feng Shui ou pas? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez fait Feng Shui ou pas? C'est pas Feng Shui. C'est pas Feng Shui. Bah, il faut recommencer alors. Tu penses que je dois vendre tous mes meubles pour le Feng Shui? Ouais, en fait tu crames tout et tu recommences. C'est trop tard. Si c'est bon. C'est bon, Typhus va slog, on va pouvoir envoyer des boosters. Et du premier coup ça m'arrive rarement, d'habitude t'as droit 3, 4 essais. À 3 minutes, décompte s'il vous plaît.
3 minutes. Non, non, non. Moi, je vais aller à mon rythme. T'as le droit de... Toi, t'as le droit d'aller à ton rythme. Et moi, je vais à mon vous rythme. Vous mangez quoi, là? Tu manges quoi, toi? Je suis allergique à ça, ouais. Tu m'en envoies un, s'il te plaît? Ah, ça me dérange. J'ai pas envie, là. J'ai eu le temps de commencer ma salade, mais la dernière game, c'était trop rapide. Tu mangeais une salade? Ouais, une salade. Il y avait des feuilles et des herbes. Alors, c'était une salade. En fait, c'était une salade au saumon sans saumon. C'était vachement bon, en vrai. Mais c'est pas une salade au saumon s'il n'y a pas de saumon. Mais si, parce qu'en fait, il y a écrit salade saumon, sauf que j'ai demandé sur le saumon. Voilà. Oui. 30, très bien. Attends, donc, nous sommes à 49. Okay. 49 moins 30 égale. C'est 29. 19. On s'arrête à 19. Donc, par contre, il faudra que tu m'expliques, mais on le fera hors stream, l'histoire de la salade saumon sans saumon. Parce que oui. Oh, ça commence bien. C'est quoi ça? Moi, je regarde. Tu connais, connais, tu non, je connais pas toutes les cartes. Ok, ça marche. Tu peux appuyer sur espace, hein. ça va me stresser sinon. D'accord. Je fais jamais avec espace parce que tu vois, je vais le plus longtemps possible en général. Si tu veux que j'ai la souris, tu me dis. Hein. Non, non, t'inquiète pas, je pense que je peux me débrouiller. Ok. T'as combien de poussière? Je sais pas, mais j'ai beaucoup de légendaires et de trucs dorés pourris que je vais décraft. Pourquoi t'as 0 gold? J'ai 0 gold parce que j'ai acheté tout plein de packs hier. Et j'ai gardé en fait, j'ai gardé ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Oui, j'ai vu ton message dans la conversation. Là, j'ai pas eu de réponse. Bah, moi j'ai hésité à te répondre 50 mais j'avais pas d'informations. Ouais. Mais ouais, t'as bien fait. T'as gardé environ 50. Dans le doute, voilà, je voulais pas en racheter parce que déjà je galère un peu pour acheter mes graines. J'avais pas acheté des boosters d'un jeu de cartes pour enfants, je veux dire, ça se mange pas. Eh, c'est les graines ou les boosters. Hein. Mais parfois les boosters ça nourrit, on va dire, le ciboulot. Hein. C'est-à-dire que t'es. Non, mais ça il est encéphalement depuis longtemps, t'inquiète. Sinon, pas. Au lieu de boire des. Au lieu de manger des graines, tu devrais boire des bières. Il paraît que les bières ça nourrit aussi. La bière ça nourrit, oui, mais je fais pas parce qu'il y a du gluten dans la bière, à cause du malt. Ah, le. Mais il y a des bières sans gluten enfin. Ouais, mais c'est cher, c'est pas forcément. C'est cher. C'est cher, c'est pas forcément. C'est plus cher que les graines. C'est carrément plus cher que les graines. Ah, okay, attends, pour une, bouteille, cool. Pour une bouteille de bière sans gluten, je peux acheter au moins. Allez, 5 kilos de. Oh! Oh! Elle est oh, bien. Sympa. Elle est bien, enfin elle est nulle à chier. Elle n'est pas jouable, mais c'est cool de pour l'instant, elle l'est pas, peut-être. Ouais, peut-être dans le peut-être un jour. Encore une fois, là, actuellement, on est en train de juger les cartes en fonction de la méta. C'est ça. Et si la méta change, la puissance des cartes change. Oh, oh ça enchaîne. Chiracine. Ah, et c'est une graine. Quand tu meurs, ça devient une graine. Ah, je suis trop content. Celle-là, je la voulais. Bon, elle est pourrie, mais ça devient une graine, quoi. C'est vrai, ça. Ça non, devient vrai. Une graine. Ah, je suis trop content. Cet homme a beaucoup de joie. C'est quand même. Non, mais attends, c'est quand même un signe, non? Il y a un signe, ouais. C'est un signe. Donc on va te laisser jouer le grain voleur après. C'est ça. Ah, je suis trop content. Comme ça, j'ai pas besoin de la craft. J'avais forcément la craft. En fait, oh putain, mais j'ouvre comme un sac quand même. Oui. Tu vas, t'es en train de rehausser les points de la team que j'ai mis sur le. J'avoue. Parce que moi, j'ai fait une légendaire en 30 paquets avec que des rares. C'est ça. Là, ça enchaîne. Putain, il y a encore la moitié. Hein. Tu vois qu'il faut prendre son temps. Oh là là, encore une épique. Formidable. Il est pas très bien celui-là pour moi. Non, il est pas très bien, mais bon. En fait, on sait jamais parce qu'il y a des cartes, elles sont pas bien. Non, et il y a quand même, un connard qui sort un deck qui a l'air cool, qui ouais. Joue cette carte là, et tu putain, faut que je la craft et tout. Et tu te rends compte en fait, le deck n'est pas si bien que ça. Ça m'a fait ça avec Goya. Parce qu'avant, il y avait genre, ouais, Goya c'est bien et tout en fait. Et en fait, Goya ça n'a jamais percé, c'était de la chiasse. Mais ça a pas été sympa, donc j'ai voulu faire plaisir à mon public en craftant Goya et j'ai joué le deck deux fois. Ah oui, deux fois seulement. Donc 1600 d'os pour deux games perdus. Ah, c'est pas rentable. Parce que les decks ça coûte c'est cher. Pas rentable. Bah ouais. Ça coûte cher quand tu penses en temps de jeu ce que ça représente. Ouais. 1600 dust en temps de jeu si tu gagnes juste avec du farm sans compter lequel j'en ai, t'imagines le temps de jeu que ça représente. C'est des heures et des heures. Excuse-moi, je regarde un peu l'animation parce qu'il est doré. C'est joli. On dirait qu'il est sur un cheval, tu vois, et que le cheval est invisible. Regarde, il a même les petites. On dirait qu'il appuie sur la pédale, non? Ah, un petit peu. Moi, je vois vraiment les petites mains qui tiennent les rênes et genre les pattes écartées et ils se battent sur. Il y a du vent, hein, ouais, il y a du vent. Y a un peu comme quand je fais des interventions sur le canapé, il y a du gros vent. 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 Hein, ouais. Du gros, j'étais gros là, vent. J'étais là. Il y a de la bourrasque. Alors, oh ça c'est cool. C'est ma deuxième. Ah, elle est jolie en doré. Elle hein est pas mal. Elle est magnifique. Elle est vraiment pas mal. Allez. On a dit combien du coup? On avait dit qu'on devait s'arrêter 19. À 19. Encore 19, 10. C'est ça. Ah là là, mais le nombre d'épiques, mais mec! Tu te mets bien! Ah, celle-là, je l'ai eu 4 fois déjà. Et il y a des murlocs dessus, donc. Tu sais que je m'entraîne à dessiner des murlocs chez moi. T'es un dessinateur, tu fais. Je vais faire, en fait, je prépare un truc de ouf basé sur les murlocs.
Mais pour l'instant, je m'entraîne. Mais un jour, je vais être connu pour les, pour être un murlocophile. Je sais pas si c'est puni par la loi, mais être murlocophile, ça peut pas être puni par la loi. Ça dépend si sont mineurs ou majeurs. Ça dépend peut-être, ouais, effectivement. Bon, le deuxième hydre flotte à mer. Ouais. Non, c'est pas fini. 19, on avait dit. Je vais un peu plus lentement, c'est vrai. Et je n'appuie pas sur espace, ça stresse pas trop. Bien trois fois le temps que moi j'ai mis. Ça, facilement, ouais. Mais moi je savoure, tu vois. J'attends depuis longtemps ces boosters, mec. Allez. Allez. Et je les trouve trop mignons, toute la série des tortues. Mais globalement, tu trouves pas que l'extension, ils ont vraiment poussé le côté mignon? Il y a plein de petites créatures mignonnes, de petits dinosaures mignons et tout ça. Je me demande s'ils essayent pas de toucher un public genre peut-être féminin. Féminin ou plus jeune, potentiellement. C'est potentiellement. Pas après, les jeunes, ils aiment bien les gros monstres avec des grosses épées aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois que t'as raison, c'est plus pour le public féminin. Mais le pire, c'est que ça marche. Oh là là, magnifique. Bon, ceci dit, c'est pas beaucoup animé. Ah, quoique. Pas mal. Ça passe. On dirait un peu les Tortues Ninja, non? Oui, il y a un peu le truc en superposition. Un petit peu. Là. Ouais, sauf qu'ils sont trois et qu'ils ont pas de bandana et qu'ils sont un peu moins classe. Mais... Non mais c'est parce qu'en fait il y a des gens qui vont sur Crossmaga à cause de ça. Genre t'as vu le nombre de filles qui sont sur Crossmaga, c'est impressionnant. J'ai pas vu. Bah quasiment... Ah parce que c'est mignon les Dofus. Ouais c'est plutôt mignon. Ok. Ok, mana vivant. Mais c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément, mais avoir un environnement visuel qui est attractif pour tout le monde. Bon, deux légendaires seulement en 30 paquets. Ah c'est pas terrible. Hein. La dernière. Allez, à celui-là je... Je prends mon temps, je m'en fous. Allez, non, celui-là, non, je vais savoir. On va y aller, on va y aller. Je t'en cul, t'es fiche. Ah, y'a rien. Bah, tu vois, c'est un booster de base. Bon, ça va, je suis. C'est pas mal. Je suis content. C'est pas mal, les bons points, les bons points. Pour 30 boosters, ça va. Bon, quel est le programme maintenant? Allez, go. Que des légendaires, affiche, il faut qu'on rentre un peu en retard de temps. Allez. Je compte sur toi. Tu veux que j'appuie sur espace, comme ça accélère? Ah oui, espace, pas mal. Ok, c'est parti. Allez, go. Go, go. Go. Faut quand même que tu cliques. Ah. Oh, ah, bravo. Alors, les gars, juste, oubliez pas que oui. Là, vous êtes parti avec un total de boosters qui est supérieur à 40. Faut en ouvrir que 40. Faut en laisser 7, ouais. Ouais. On essaiera de faire attention. Oui, pique comme le hérisson. Épique, épique. Épique comme le membre de notre chat d'ailleurs aussi, qui sera sûrement éclairé. C'est le même nom. Ah mais... tu manques d'APM, oui. Fichou. Heureusement qu'on joue pas. Non mais j'ai pas cette force dans j'ai pas cette force dans le doigt pour cliquer sur la souris. C'est vrai. Oh mais c'est crade. On le dit pas assez, mais streamers sont avant tout des sportifs de haut niveau. Oui. C'est le plus important. Ah mais j'ai rien. Allez, la légendaire un petit peu quand même, petite légendaire dorée, là, pour faire plaisir à papa. C'est possible de ne pas avoir de légendaire encore de booster? Bah tout à l'heure j'ai failli le faire. J'ai eu ma seule légendaire sur le dernier booster quand même. C'était relativement terrible. Allez là. Ah, dorée? Non. Même pas. Remarque qu'elle est bien cette carte. Ouais. Déjà ça. À défaut d'avoir beaucoup de poussière au booster des bonnes cartes. C'est déjà ça. Bon, tu les avais déjà un triple exemplaire, ça te fait une belle jambe. Mais... Vous vous amusez bien? Pendant ce temps, en ah face nous, on à prend bout notre des MNF. Là, on est en train de. Il y en a qui se fatiguent. On regarde pas ça d'un œil très attentif, je vais être honnête, parce que bon, des ouvertures de booster, mine de rien, on en a vu une ou deux. Donc, on est en train de préparer la suite et ça va être beau. Par contre, oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui compte les cartes et les poussières qu'on a. Donc, à la rigueur, si on peut baisser de 1 ou 2 km/h. Quoi? Pourquoi qu'il compte? Mais qu'il compte à la main? Oui, ouais, ouais. Avec une feuille? Oui, ouais, avec une petite feuille Excel. Et non, mais si, vraiment, il y a quelqu'un qui fait ça. Vraiment. Mais vous êtes con. Non, mais pourquoi vous vendez pas tout les poussières et après vous décraftez ce qui reste et comme ça vous savez. Ah non, j'ai de la merde. Ouais. Mais vous êtes con quand même. Mais vous êtes pourtant, c'est enfantin. Pourquoi vous codez pas un logiciel qui va directement aller cibler les cartes pour voir leur coût? C'est Lixune qui fait ça? C'est Luigi. Ah. En fait, on a un outil comme ça, il joue pas à World of Warcraft. De reconnaissance automatique de la carte et de son estimation du coût qui est très fait perfectionné, qui s'appelle l'œil du Lixune en fait. Évidemment. Le top de la technologie chez Gamers Origin, toujours. Mais j'ai pas eu de légendaire.
Bah, en vrai, nous, c'est facile de compter la poussière. On a 40 poussières par paquet depuis tout à l'heure, c'est cool. Une petite épique dorée là. Allez, vas-y, fais pas ton crevard, bizarre. Même. Ah okay. En plus, elle est pas. Elle est peut-être. Ah, bien. Ouais. Ok, bon. J'ai essayé, j'ai trouvé un côté positif. Non. Oh. En plus, elle est je pas vois que vous avez bien retenu ma demande de ralentir, bravo. Ouais, t'as. On a eu la bite weed. Vous avez eu la bite weed. On a eu la bite. Accélère. La weed et la bite. La weed et la bite. Légendaire. Mais non, mais c'est pour le Luigi. Faut pas qu'il pue. Comme ça, il peut jouer à WoW en même temps. Comme ça, il peut faire ses raids en même temps. Eh, franchement, c'est pas mauvaise langue, il joue à Zelda, je l'ai vu. Franchement, t'es. C'est pas cool. Bon. En même temps, on lui simplifie quand même vachement la tâche à Luigi. Hein. On a rien. C'est facile. Bah, il terminera sa journée plus tôt, ça c'est sûr que là, bon, il sera tranquille, peinard. Aïe, horrible, on a que des rares, même pas de dorés. T'as quand même eu une tempête chatoyante. Oui, je suis désolé. Tempête chatoyante. Après, c'est mon dos de carte. Hey. Et une trésor, ça fait au moins le cinquième que t'ouvres, t'es chateux quand même. Non, c'est, mais je vais faire un deck avec au moins 10 dedans. Ouais. Oh. Ah, oh, doré même pas. Dès qu'on a une épique, on est content. C'est wow, une épique. Oh, oh, une carte. Del. Oh, je vais cancériser la 2. Ouais. Ah, il faut qu'on s'arrête à 7. À 7. Oh 40 poussières, mec. Attends, on se fait bien. Tu sais que depuis le début, j'ai l'impression que c'est moi qui amène les boosters en cliquant pas. Ok. Je fais n'importe quoi. T'as compris ce qu'il a dit? Il a fait un truc. Je sais pas, il a fait des... Ah non, non, non. Ah, non, non. Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. J'arrête d'appuyer sur l'espace, moi. Je suis d'une dépendance. Mais... C'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu de la merde quand même ce que t'as eu. Hein. Dégueulasse. Je veux pas. Tu sais, c'est pas mon genre de critiquer gratuitement, mais t'as un peu fait de la merde là quand même. Ça, j'ai envie de faire ça là. Non, je t'en empêche. Okay. Regarde. Et le concept, c'est de gagner le plus de poussière et. Exactement. Ok, tout simple. Attention, légendaire. Légendaire. Et pour l'instant, on est loin derrière. Légendaire doré, au minimum. Ce soir. Il faut qu'on rattrape là. Vas-y, c'est quoi là. Cette autre carte que t'as? Hein? C'est quoi ce dot carte que t'as? C'est le dot carte Diablo, tu sais, anniversaire. Ah, c'est classe! Il est super beau! Sais. J'ai toujours la classe, mec, dans toute situation. Même quand j'ai pas de thune. Oh! Ah! J'ai cru que c'était épique doré, les bâtards! Un élément terre! Terre, c'est l'histoire d'une œuvre terre. Chapitre 1, mes premières règles. Friends! Je l'ai! Merde, moi j'ai appuyé. Mais j'ai bien, on sent que le dragon là, t'en penses quoi? Le dragon épique, on l'a vu apparaître. C'est de la 4-8 tonnes. 4-8? Ah, ouais, oui. Tiens, faites une micro-pause, les gars. Histoire qu'on n'ait pas le. Non, on parlait du dragon, la 4-8 taunt, qui fait 2 dégâts à tout board. Vous en pensez quoi de cette carte? J'aime pas du tout. Moi, j'aime pas être trop lente. Parce que, en fait, moi, je trouve que ça fait partie des cartes qui ont un potentiel, elles pourraient être bonnes. Non, mais non, les gars, arrêtez, vous êtes plus à l'image. C'est des machines. Ah, non mais arrêtez d'ouvrir des boosters. C'est bon, vous êtes à l'image. Vous pouvez reprendre. Oh là là. Ils sont cons. T'es con, Michel. Vas-y, ouvre. Oh là là. On a toutes les couleurs, c'est magnifique. Oh, c'est les quadricolores, les 4 couleurs primaires. Le violet, couleur primaire selon The Fish. Couleur épique, pas couleur violet, couleur épique. C'est ça. Couleur légendaire. Oh, en plus c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, c'est bien, bien, bien nul. La dont tu parlais, elle est bien, mais en arène. Ceci dit. Mais en construit, non, je pense pas. Putain, t'as de la dorée, toi, hein? Bah oui, parce que. Ouais. Ah, mon cochon. Le talent, monsieur, avant tout. Personne ne clique gauche comme moi. Bon, du coup, le dragon, moi je trouve que c'est un peu lent aussi. Oui, finalement, c'est un peu lent. Oh, y a-t-il fait Jax? Oh! Allez là! Et ça, j'ai pas compris. C'est oh, toi, tu fais entrer la machette! Pas mal. Alors du coup ouais, Elise, pour ceux qui auraient pas suivi le concept de la carte, c'est une 5-5 qui met une 2-2 dans enfin un sort qui coûte 2 dans votre deck, et ce sort c'est simplement un booster d'Ungoro, et quand tu l'ouvres, quand tu lances le sort, ça te donne 5 boosters. Bah, par exemple, on aurait cette 5 cartes dans la main. Ah, sympa. Alors sachant que t'as plus de chances de drop des légendaires et des épiques que sur un booster normal. Donc on est pas si mal. Ah, t'as une épique au moins par booster? Bah, faut bien rattraper hein. Ah bon, ok, voilà, ça y est, maintenant on a modulé le truc, maintenant ça va être que de la merde.
Allez, allez, dernier booster après. It's the last one. Ok, ok, ok. Et c'est le dernier. Double légendaire. Allez, au moins ça. Ouais, dommage. Bon, c'est déjà pas mal. Cake. T'as eu 3 légendaires ? Ouais. Sur 20 boosters. Sur 20 boosters. Plus mais en même temps, j'en avais eu 1 sur les 40. Donc, ça m'en fait 4 sur les 60 au final. Mais là, ça veut dire que là, sur 60, on en a eu 5. Ouais. C'est pas mal. C'est, ah, c'est bien. C'est super bien. Il tape la cruste, c'est pas la pose. Oui, d'ailleurs, Loello, j'ai oublié mon shampoing chez toi. Subrepticement à l'image. Ouais, tu l'as oublié et je l'ai gardé précieusement genre dans un petit tiroir. Oh, t'es mignon.